Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, et bien pour les rituels de la pleine lune. Alors, on peut effectuer plusieurs rituels hein, si on le désire lors d'une pleine lune. On peut le faire pour l'amour, on peut le faire pour l'argent ou pour toute autre chose. Alors, il faut bien le dire. La pleine lune possède des énergies d'absorption qui sont puissantes et peuvent nous apporter beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et elle est aussi propice à nous séparer de tout ce qui ne nous convient plus et qui nous permettra ensuite de créer un nouvel espace et d'accueillir de nouvelles choses dans notre vie. Alors pendant les 24 heures avant ou après la pleine lune, sachant que le meilleur moment est pendant les 8 heures de la pleine lune, eh bien vous commencez vos rituels. Alors le rituel pour avoir ou gagner de l'argent, vous prenez votre portefeuille ou porte-monnaie, vous le videz, c'est-à-dire vous retirez les cartes de banque, les tickets de caisse, en fait tout ce qui concerne l'argent, vous retirez. Vous sortez dans votre jardin. Si vous n'avez pas de jardin, eh bien vous sortez sur le balcon. Si vous n'avez pas de balcon, c'est pas de souci. Vous ouvrez la fenêtre ou la pleine lune, où vous voyez cette pleine lune. Et à ce moment-là, bien, vous prenez votre portefeuille ou votre porte-monnaie et d'une façon très énergique, eh bien, vous demandez de l'argent. Vous prenez vraiment votre portefeuille, vous le secouez, vraiment vous le secouez très fort pendant quelques minutes avec énormément d'intention. L'énergie que vous devez avoir, c'est la joie, la bonne humeur. Et dites quelques phrases comme merci. Avec toute ma gratitude, Madame la Lune, de mettre autant d'argent dans mon portefeuille. Bref, faites-le comme vous le sentez. À vous de choisir vos propres mots, n'est-ce pas, qui vous conviennent le mieux en fonction de vos besoins. L'important, et ça c'est très important, c'est d'être dans la joie. Et surtout, surtout dans l'intention. Le rituel pour éloigner, par exemple, des ondes négatives. Mettez du sel dans un bol et mettez ce sel à côté de votre porte d'entrée ou de votre porte de garage le soir de la pleine lune. Et s'il y a des ondes négatives, eh bien, elles seront absorbées par le sel dans la nuit. Le lendemain, eh bien, vous mélangez ce sel avec de l'eau et vous jetez ça dans le WC et vous tirez la chasse 3 fois. Vous lavez convenablement le bol. Et puis vous rangez votre bol et vous n'oubliez certainement pas de remercier Madame la Lune d'avoir fait le nettoyage des ondes négatives. Alors, c'est le moment aussi de recharger vos pierres et cristaux. Sortez-les le soir pour qu'elles puissent prendre cette magnifique énergie de cette pleine lune. Lorsqu'on demande l'abondance, il faut que vous sachiez qu'elle n'est pas que financière. L'abondance, ce n'est pas que financier. Il y en a beaucoup qui font là, qui croient que l'abondance est financier, mais non. Elle peut aussi
s'exprimer dans d'autres domaines que l'argent, que le matériel, c'est-à-dire, par exemple, l'amour, l'abondance dans l'amour, l'abondance dans la santé, l'abondance dans le bonheur, l'abondance côté professionnel, etc., etc. Nous en venons à vos vœux sur papier. Alors, vous pouvez rédiger entre 2 et 10 vœux. Écrivez un seul souhait par phrase et ne jamais conjuguer 2 vœux dans la même phrase. Il est important aussi de ne jamais mettre de négativité. Toujours vos vœux dans la positivité. Si vous n'avez qu'un seul vœu à formuler, eh bien, écrivez 2 phrases, mais sous une forme différente. Par exemple, si vous voulez écrire un seul souhait pour le succès, par exemple, d'un projet que vous voulez mettre en place, que vous voulez mettre sur pied, et que vous avez, des petites difficultés, ou alors que vous avez des projets, un projet que vous avez mis en place, eh bien, vous écrivez cette phrase d'une manière différente. Exemple, je suis heureuse de réussir le projet untel. Eh bien, pour cette phrase-là, on va écrire « Je suis heureuse de rencontrer un partenaire qui me complète efficacement pour réussir le projet » et vous écrivez votre projet. Deuxième exemple, deuxième phrase, pour le même projet. « Je suis heureuse de trouver facilement le financement nécessaire à la réussite de mon projet » et vous écrivez votre projet. Vous voyez, il y a plusieurs façons de le faire avec un seul vœu. Mais ça signifie exactement la même chose, hein? On est dans le projet, hein? C'est juste intitulé différemment, mais qui veulent dire exactement la même chose au final. Par contre, cette intensité se dispersera si vous écrivez plus de 10 vœux. Alors, comment écrire vos vœux? Alors, vos vœux doivent être écrits impérativement à la main. Ça, c'est très important. Installez-vous confortablement au calme. Allumez une petite bougie, n'importe quelle couleur. Si vous avez des bâtonnets d'encens, allumez un petit bâtonnet d'encens. Relaxez-vous. Faites plusieurs inspi et expi. Et tout dépendra de l'intensité de votre demande. Cela doit vraiment venir du fond de votre petit cœur. Vous devez être toujours le sujet de vos vœux. Alors, il ne faut jamais écrire les vœux de quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est important. Comme par exemple la réussite à l'école de votre enfant ou pour qu'un membre de votre famille recouvre la santé. On ne fait pas les vœux pour les autres. On fait les vœux pour soi-même. Alors, formulez toujours les phrases uniquement au présent et jamais au futur, puisque c'est « nous vivons toujours ici et maintenant ».
au présent. Écrivez toujours vos phrases en forme affirmative, jamais de négativité. Par exemple, au lieu d'écrire « Je ne veux plus être malade », écrivez « Je suis heureuse et en parfaite santé » ou encore « Je suis en pleine santé ». Même si vous ne l'êtes pas, moi je ne suis pas en pleine santé, mais je marque toujours dans mes vœux « Je suis en pleine santé ». C'est important. Si les phrases affirmatives ne vous semblent pas naturelles, eh bien, évidemment que vous pouvez toujours les remplacer par « Je veux trouver ». Choisissez la formule qui vous semble la plus, eh bien, la plus naturelle, qui vous vient du cœur, mais toujours, attention, dans le positif. Alors, en amour, un vœu pour l'amour, eh bien, je remercie Madame la Lune de mettre sur mon chemin la personne pour continuer mon chemin de vie. Vous voyez, je remercie Madame la Lune de mettre sur mon chemin la belle personne en amour pour continuer mon chemin de vie. Prenez le temps de bien, bien choisir vos mots. C'est important aussi avec cette intensité dans l'intention. Je dirai jamais assez, mais c'est l'intensité dans l'intention. C'est comme si dans la méditation, quand vous faites par mantra, c'est dans l'intensité de l'intention. Donc, ça c'est très important. Lorsque vous allez rédiger vos vœux, soyez vraiment attentif à ce que vous ressentez. Vous devez être convaincu lors de la rédaction de vos phrases. Si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, corrigez la phrase jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise, en parfait accord avec le vœu que vous venez de formuler. Attention toutefois aux vœux inadéquats. N'écrivez jamais quoi que ce soit qui parle de haine, de jalousie, de médisance, de malédiction envers quelqu'un, car cela peut vraiment se retourner contre vous. Au cas où ces vœux seraient exaucés, eh bien, c'est votre karma qui en subirait de terribles conséquences. C'est donc fortement déconseillé. Lorsque quelqu'un vous est proche et par exemple, qu'il vous ennuie d'une manière qui vous semble injuste, eh bien, formulez votre vœu de cette manière. Je souhaite que mon comportement au bureau ait une bonne influence sur ma collègue ou mon collègue ou sur ma famille ou mes amis ou mon conjoint, mon époux. Ou bien aussi, vous pouvez « Je souhaite avoir une entente agréable et positive avec mon collègue, mon conjoint, mon enfant, etc. » Si le souhait inclut quelqu'un d'autre que vous, essayez de trouver une phrase qui aide cette personne. Choisissez bien le verbe que vous allez utiliser. Ça, c'est aussi important. En fait, vous demandez d'avoir un comportement et vous ne demandez pas « Ah, ben oui, je voudrais que celui-là… » Non, 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 voilà. C'est totalement différent.
Je souhaite que mon comportement influence. Donc, forcément, ce que vous êtes, vous allez attirer à vous. Alors, une fois terminé, marquez votre volonté. Écrivez que votre volonté soit faite avec toute ma gratitude et je remercie Madame la Lune et l'univers. Vous écrivez votre nom et votre prénom, vous écrivez la date, le pays et la ville où vous habitez. Alors, vous allez me dire, mais que faire du papier? Mettez ce papier dans une enveloppe, écrivez sur l'enveloppe votre nom, prénom et date, et la date, la ville, et vous écrivez à l'intention, à l'attention de l'univers, et vous prenez cette enveloppe par un coin et vous brûlez l'autre coin, par le bas, soit dans votre évier où vous prenez un pot, évidemment pour ne pas mettre le feu chez vous, parce que ça serait grave quand même. Hein. Et puis quand cette enveloppe est totalement brûlée dans l'évier ou dans le pot, eh bien, soit ben, vous faites aller votre robinet pour que ça s'évacue, ou alors, si c'est dans un pot, je mets ça dans un pot et je le jette au WC et je tire trois fois la chasse. Pourquoi trois fois? Parce que je tire trois fois la chasse. Alors, n'oubliez pas que c'est l'énergie et la foi que nous mettrons dans ce rituel qui seront le plus important en lui-même. Donc c'est vraiment cette belle énergie et la foi. Et bien voilà, les rituels pour cette pleine lune. Merci, Madame la Lune, avec toute ma gratitude. Merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, likez, j'aurai comme ça un pouce vers l'univers. C'est magnifique, comme dirait ma petite fille. Je vous souhaite à toutes et toutes une excellente pleine lune. Merci de l'attention que vous mettez à ma chaîne. Et puis, eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente pleine lune dans l'amour, la joie, le respect, la bienveillance, la tolérance. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.